vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo, un DIY, comment je fais ma lessive dorénavant. Voilà, j'ai décidé de ne plus acheter de lessive et de la faire moi-même. Je trouve que ça revient moins cher, c'est beaucoup plus sain. On aura besoin de 200 g de savon de Marseille. Alors vous l'achetez en bio ou pas, hein, c'est selon ce que vous préférez. Vous aurez besoin du bicarbonate alimentaire ou pas. Selon ce que vous voulez aussi. Moi, je n'ai pas de bicarbonate alimentaire technique, donc je prends le bicarbonate alimentaire. De vinaigre d'alcool. Pour ma part, j'ai pris de l'huile parfumée à la violette. Ça va me parfumer ma lessive, ça va être dément. Un contenant, celui-ci est de 3 litres, mais ça ne fait rien. Il faut un contenant de 4 litres, c'est mieux. Vous allez râper votre savon de Marseille avec un économe. Je trouve que comme ça, c'est beaucoup plus facile. Alors, j'ai fait bouillir 4 litres d'eau. Donc, je vais verser mes 200 g de savon de Marseille. Donc, voilà, mon savon est tout fondu. Donc, je vais arrêter le feu. Et je vais rajouter mes 100 ml de vinaigre blanc. Voilà, là on voit tout de suite la réaction, donc ça devient laiteux. Et maintenant je vais incorporer mes 3 cuillerées, bonnes cuillerées à soupe de bicarbonate. Et là je vais aller tout doucement parce que ça va mousser, ça va faire une petite réaction. Donc je mélange bien, on sent quand on mélange, on sent que ça devient épais. Et moi je rajoute de l'huile de violette. Hop, alors je sais pas, je vais en mettre un petit peu comme ça, je vais voir ce que ça fait. Allez, je vais mettre le demi-flacon. Donc voilà, ma mixture est faite. Il faut vous dire que le vinaigre ne sentira plus du tout une fois que ça aura tout mélangé, que tous les ingrédients seront mélangés, le bicarbonate, l'eau, l'huile parfumée. L'odeur de vinaigre va s'estomper et quand ça sera refroidi, vous n'aurez plus la senteur de vinaigre pour ceux qui ne supportent pas le vinaigre. Donc voilà ma petite mixture, elle est un petit peu bleutée, donc ça va faire en plus blanchir mon blanc, parce que le bleu annule le jaune comme vous savez, donc mon linge sera plus blanc. Et voilà, donc je vous retrouve une fois que ma mixture est refroidie. Alors me revoilà au petit matin, et voilà ce que ça a fait, donc ça a carrément figé. Et le dessous, ça fait comme une crème en fait. Et le dessous est liquide. Alors moi, ce que je vais faire, je vais mélanger ça et je vais le mettre dans mon bidon que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà la texture bien laiteuse. Je vous assure, ça sent super bon. Hier, j'ai pas pu attendre. J'ai fait une lessive avec cette lessive-là. J'ai mis la valeur d'un verre comme ceci. Ouais, c'est un petit verre qu'on va dire. Et dans mon bac, je vous assure, ma lessive, elle sent super bon. J'ai regardé, les chaussettes sont super propres. Voilà quoi. Non, franchement, c'est une super lessive. Donc voilà ce que j'ai obtenu. Donc j'ai obtenu un bidon de 3 litres et un d'un litre 5. Je crois que c'est un litre 5 cela, il me semble. Donc voilà, bah, je suis très très contente. Moi je vous invite à faire pareil, c'est vraiment dément. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt sur de nouvelles vidéos. Ciao!